Donc maintenant, nous allons débuter le deuxième atelier, les feuillages. Pour cela, j'utilise principalement la peinture Jossonia, qui est quand même très couvrante, mais très fine au niveau des pigments. Mais aussi l'acrylique Sennelier. Donc voici les pinceaux dont nous aurons besoin. Des pinceaux biseautés pour les roses, les pinceaux ronds pour les feuillages. J'utilise différents jaunes, le jaune primaire, moyen, le jaune de Naples et du blanc. Donc là, je vais vous montrer les feuilles au pinceau rond. Donc ça, c'est vraiment les coups de pinceau basiques que j'enseigne à mes élèves, premier geste que l'on fait. Je mouille mon pinceau, je viens chercher mon verre, je vais mettre un peu d'ocre pour le casser un peu, voilà. Quand je charge mon pinceau, j'essaye de toujours être moitié, trois quarts. Quand la peinture atteint la virole, je perds complètement ma pointe. Donc j'évite de charger trop mon pinceau. Donc j'ai mon vert, je vais venir piocher dans le jaune, piocher dans le jaune de Naples et dans le blanc. Et vous allez vous entraîner à faire des lignes où vous posez votre pinceau, vous l'écrasez, vous relevez. Donc vous en faites. Si j'écrase moins, j'aurai des feuilles un petit peu plus petites, comme ça, dans un sens et dans l'autre. Donc ça, il faut en faire des lignes, et des lignes. Avec le même pinceau, donc ces coups de pinceau correspondent à ce feuillage-là, et le deuxième que je vais vous montrer va correspondre à ce feuillage-là. Il faut que ça glisse, donc si ça ne glisse pas assez, il faut mettre un peu plus d'eau. Pour mes planches d'essai, j'utilise des calendriers que je peins en noir et c'est parfait au niveau tenue. Sinon, vous pouvez utiliser des petites planches de médium. Deuxième coup de pinceau, je vais poser, mais là je ne vais pas écraser, je tire et j'écrase après. Donc vous pouvez les faire en une fois. Ou en deux fois, comme ça et comme ça. Je vais vous montrer que si je charge énormément mon pinceau, mais toujours en le gardant assez droit, hein, s'il est bien chargé, je vais arriver à faire quand même des grosses feuilles. Et avec le même pinceau, je peux quasiment faire de la dentelle. Je le charge beaucoup moins. Voilà. Donc il y a vraiment, je vais pouvoir faire une petite feuille comme ça. Tout ça avec le même pinceau. Donc là, je vais faire des petits coups de pinceau comme ça. Alors ça, c'est très agréable de faire ça. Ça mérite de bien vider la tête. Souvent, on évite de trop casser son poignet. C'est plutôt le support qui bouge plutôt que le poignet. Voilà. Et ensuite, ces feuilles-ci sont faites avec un pinceau biseauté. Donc, le pinceau biseauté, c'est un pinceau qui est coupé. C'est un pinceau plat qui est coupé en biais. Donc, je vais le charger entièrement de verre. Voilà, là il est chargé entièrement de vert. Et après, uniquement sur cette pointe-là, je vais prendre du jaune. Alors là, je vais faire la peinture comme ça. Voilà, je vais faire comme ça. Et je vais prendre du plus clair. Vous voyez déjà les nuances sur la palette. Et je vais poser, je le tiens assez droit, et je vais coucher. Et je relève sur la pointe. Je pose, je tire, je le couche. Je ne l'écrase pas.
Je vais vous montrer, si vous écrasez, vous allez avoir des choses comme ça. Donc non, à plat, dans un sens et dans l'autre. Après, on peut faire comme ça aussi. Ces feuilles-là, je vais poser, j'aplatis, mais en donnant des impulsions, je tremble. Voilà. Vous avez tout de suite une feuille avec un effet. Au niveau des couleurs, si le rendu ne vous plaît pas, vous ne repassez pas tout de suite. Vous attendez que ça sèche. Là, par exemple, je trouve que c'est un peu trop blanc. Et ben, je vais venir recharger avec un peu plus de jaune. Et je vais repasser. De toute façon, plus vous repassez, plus vous aurez de la profondeur. Donc après, vous composez comme vous le souhaitez. Et toujours prendre la peinture dans le même sens. Toujours sur la pointe. Et je fais aussi un petit branchage. Pour faire les traits comme ça, il faut mouiller un petit peu plus. Parce qu'après, vous pourrez venir, au niveau de la composition, vous pouvez mettre des petites choses comme ça. Après, vous vous amusez. Pinceau rond et pinceau biseauté. Après, on peut rajouter des petites touches de rouge, des glacis. Je vais vous le montrer, ça, parce que ça, c'est toujours... Là, par contre, vous venez prendre de la peinture uniquement sur la pointe et très très léger. Cette technique de pinceau biseauté, plus vous êtes léger, mieux c'est. Des petits glacis.